It's so beautiful, you and me. We meant to be in the great outdoors. T'es vegan, on dirait. Nord-ouest de l'Irlande, on n'est pas à la pointe nord extrême, mais on est sur une au-dessus d'une petite plage au nord-ouest des Sligh Cliffs là. Et on va repartir vers Londonderry, on va essayer de rentrer au Royaume-Uni ce soir. On est à Londonderry, on vient de rentrer au Royaume-Uni depuis l'Irlande. Et c'est le soir d'Halloween. On devrait pas super bien dormir sur le petit parking, mais c'est pas grave. Tous les gens sont déguisés, c'est sympa. On espère qu'on va passer une bonne soirée, mais je crois que oui. Carry the light with you. Look after one another. On est toujours à Londonderry dans un bar le soir d'Halloween, mais ils chantent fort, ils chantent très fort, très très fort. C'est les gars au fond là avec la fille en vert. Ils sont tous déguisés, on a mangé à côté de Mario Kart, Benny Hill et un chirurgien qui avait un couteau planté dans le crâne. Tout va bien. C'est l'Irlande. Et l'autre il a son épée. On comprend rien à ce qu'ils disent parce que d'abord ils ont picolé, ensuite ils ont un accent incroyable. Sentez sous les bras, vous venez là, vous levez les bras comme ça. Et vous êtes lavé. Welcome in Northern Ireland. Chaussée des géants. 1er novembre, il est 10h. Il n'y a pas grand monde. Ah, c'est des hexagones presque réguliers. C'est impressionnant.
l'Irlande du Nord, on descend sur la route côtière vers Belfast, mais enfin, on est à, encore à 80 km. On est à 240 mètres d'altitude. Sentier des Gobbins, Irlande du Nord. On a un guide, je suis le seul à parler anglais. En face, on voit l'Écosse, on est à 18 miles, d'après ce que j'ai compris quand le guide parlait, mais il fait exprès de parler vite pour que je comprenne pas. Je crois qu'il aime pas aller à la France. Le guide nous a dit de nous tenir à la rambarde. Moi, je fais exprès de pas le faire, parce que j'ai pas envie d'obéir. Je me suis mis en dernier pour qu'il me voit pas. Je suis un rebelle. Je me laisserai pas faire. Gros sourcil en force. Un Français contre 18 Britanniques. Je tiens le choc.